la beseila be on chaminama on jurama on jarnama kadion manama bismillah mon bandira beseila be yidde tan habrude on jam habrude on programme mo min jogi bismillah. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous annoncer la création de notre nouvelle structure Art Heritage Agency. Art Heritage Agency est composé de deux pôles essentiels. Le premier, l'agence de communication événementielle spécialisée dans l'art Peul. Et d'un autre côté, un label artistique là pour accompagner nos artistes dans leur carrière. Quand on parle de label artistique, ça n'est pas un label musical. Notre objectif est d'accompagner les artistes, quels qu'ils soient, dans le chant, dans la danse, le théâtre, la comédie, l'écriture, ou quel que soit l'art, Tao Kopulagu, on est derrière cet artiste. C'est l'objectif de ce label. Rassembler, protéger, promouvoir, transmettre les valeurs, les objectifs de cette structure Art Heritage Agency. Le label artistique sera dirigé par l'artiste de renom général Paco Lignol. Un artiste engagé, un artiste qui, toute sa carrière, s'est dévoué à la promotion de l'art et de la culture Peul. Rien de plus logique que de poursuivre en accompagnant des artistes dans la promotion de leur art et le développement de leur carrière. Accompagné par Samba Diakité, leur mission est d'accompagner l'artiste jusqu'à l'objectif ultime pour nous, c'est-à-dire d'exporter cet artiste hors des frontières de l'Afrique. Cela va forcément passer par la production d'un album de qualité et donc de la création de l'image irréprochable de l'artiste. Passons maintenant à la partie agence de communication événementielle spécialisée dans l'art Peul. Cette partie sera dirigée par une équipe compétente, une équipe professionnelle, une équipe dynamique qui aura pour mission de produire des événements de qualité 100% Peul et partout dans le monde. Dans cette optique, l'agence de communication événementielle spécialisée Art Peul va entreprendre deux chantiers, deux beaux projets. Le premier, donc le premier salon international des arts et cultures Peul, donc qui se déroulera en France courant 2021, en fonction bien entendu de la crise sanitaire. Cet événement aura pour objectif de rassembler en son sein donc artisans, commerçants, associations, artistes, foulées d'ici et d'ailleurs, donc autour de notre chère culture, des conférences, des tables rondes, des scènes ouvertes, vraiment beaucoup de belles choses qui contribueront à promouvoir notre culture poulard. Le deuxième chantier, le festival Poulard ou pour l'amour de l'art. Ce festival qui va sillonner donc toute la zone du Fouta au Sénégal et en Mauritanie pour sa première édition a pour objectif d'apporter cet accès à la culture à ces zones reculées. Bandira Beseghilab, on en reparle très prochainement. Deux gros projets qui sont par la grâce de Dieu et avec beaucoup d'honneur. Donc notre artiste de renom international, Wenny Babamal, que nous avons eu de vive voix, qui a accepté de parrainer et d'accompagner ces deux beaux projets.
Notre équipe, composée de professionnels et d'amoureux de la culture Poulago, sera vous proposer des événements, des produits, des services de qualité. Bandejab et Sehilab, Poulago, Nefoti, Yarudeyes. Je compte sur vous pour soutenir cette nouvelle structure. Diagéhen, Djoudé, Temedel. Si vous, qu'au projet Poulago, qu'au projet Amtar de l'Egnolmen, Bandejab et Sehilab, on y a. Sagata